Hello la compagnie, c'est Laflis et on se retrouve pour le Let's Play sur Elder Scrolls Online. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dépensé mon point de compétence dans le passif Ombre rafraîchissante qui me permet de régénérer de 15% ma vigueur pendant 6 secondes lorsque j'utilise une compétence d'ombre. À savoir que j'avais débloqué la compétence ultime, mais qui ne nous est pas utile pour le moment. C'est surtout une skill support et de groupe. Parce que certes, ça va ralentir les ennemis de 70%, mais c'est aussi bénéfique pour les gens alentour. Sachant que le coût est de 200 coups ultimes et du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, j'ai préféré utiliser mon point pour le moment dans mes compétences actuelles. Excusez-moi. Bonjour, petit loup. Donc, nous avons notre loup qui participe à notre vidéo que je vais vous présenter. Monte. Là, voilà. Donc Edith, tu tournes la tête, tu t'approches un petit peu. Non, tu t'approches pas. Bon, c'est pas grave. On ne la voit pas la caméra parce qu'elle n'est pas du bon côté. Vous allez entendre plein de bruit parce que toutes les autres sont arrivées. Bref, allez, on est parti, on s'en fout. Et on part d'ailleurs où? Regardons exactement où nous allons. C'est pas la peine de partir à pied. Si, c'est bon. On y va à pied. On y va à pied. Je pense on peut couper par là. Oh mon gros loup. Alors. Donc là, on continue la quête par rapport à la reine Irène. Irène, elle s'appelle, il me semble, oui. Et on devait trouver la suite à Tanzenwill. Parce que je l'ai bien écrit, moi, j'ai plus le truc d'afficher, tant mieux. Et c'est encore assez loin, certes. Alors depuis tout à l'heure, j'appuie sur Shift, mais je courais pas. C'est pas grave. On va rattraper cette erreur. Toi, tu es mort. Ou pas? Non mais c'est bon là. Voilà. Pouf pouf pouf. Pouf pouf pouf. Toujours par là. Voilà. Sacré bug. Toujours des petits bugs du genre. Allez, on va continuer à tuer le crabe. Peut-être que ça nous donnera quelques composants. Je ne sais pas ce que loot les crabes. Oh oui, lanière de peau brute. On va continuer à tuer les crabes. Quand on en voit. Et tuer aussi ce genre d'animaux. Ce genre d'animal, pardon. Hop. Comme toi. Oh, one shot. D'accord. Toi, tu me laisses rien. Un renard. Tu vas certainement me donner de la peau, toi aussi, j'espère. Pour continuer à fabriquer mes armures? Non. Non. Vous avez décidé de ne rien me laisser. Tant pis. Ça, c'est quoi? Un singe? Faut tuer les singes? Oh, pauvre singe! Tu es mort dans d'atroces souffrances. Encore un singe! Bon, je vais arrêter de tuer tous les animaux qu'on retrouve. Oh, il y en a plein de singes en plus, les pauvres. Bon. Alors. Continuons. Est-ce qu'on est loin? Non, ça va. On n'est plus très loin. C'est le pays des singes ici. Voilà. Donc il y a des minerais. On s'en fout des minerais. Étant donné que je ne vais pas pour le moment. Quoique si en fait. Parce que si je veux me faire des dagues, ce serait pas mal. Peut-être tu t'enfuis pas toi? C'est cool. Voilà. Est-ce que tu m'as donné une peau? Non? Non, des boyaux. Bon ben tant pis. Je ne sais pas pourquoi mon écran était rouge comme si je prenais des dégâts. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, du minerai de fer, ça c'est fait. En plus, je pars dans la mauvaise direction. On est bien barré avec moi. Pom pom pom. Oh, une caravane cagite. Ah non, même pas, c'est là qu'on devait aller. Non, j'ai rien dit en fait. Alors, excusez-moi, je suis vraiment désolée, il n'y a pas un seul cagite. D'ici, je vous jure, j'étais persuadée qu'ils étaient cagites. On a peut-être l'habitude de voir les caravanes, mais bon... Je suis désolée. Désolé. Vous m'avez l'air familier. Un petit prince. Nous sommes-nous déjà rencontrés? La reine m'a demandé de la retrouver ici. Ah, le guet de Vulkel, bien sûr. Bienvenue à Tanzelwill. Peut-être parviendrez-vous à établir le dialogue avec sa majesté là où nos tentatives ont échoué. Ben, ce fut bref comme quête. Je suis content de vous voir, favorite de la reine.
Nous sommes venus à Tanzelwil pour honorer les esprits de nos ancêtres. Mais on dirait qu'ils sont déterminés à tous nous tuer. Pourquoi vos ancêtres tenteraient-ils de vous assassiner? Voilà une excellente question à laquelle je n'ai hélas aucune réponse. C'est con. Ma chère sœur, votre reine, nous a menés en ces lieux dans le but d'accomplir une cérémonie. Tout cela pour recevoir la bénédiction des morts. Croyez-moi, ce n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. La reine a des ennuis? Si les ennuis ne la trouvent pas, c'est elle qui ira à leur rencontre. Et elle les invitera même à dîner. Elle se trouve dans les ruines, non loin d'ici. Elle conspire avec le commissaire. Et ils sont résolus à accomplir la cérémonie. Soyez un bon sujet. Et faites en sorte qu'elle survive. Voulez-vous bien? Bien sûr. Je vous assure, j'ai l'impression d'être de retour chez moi, en plein festival de la nouvelle vie. La famille commence à boire dès le midi, et tout le monde veut votre mort. Qui sont ces gens? Oh, vous savez ce que c'est. Arrête. Dans les eaux au large de l'île, vivent d'immenses créatures marines. Des bêtes plus petites s'accrochent à leurs flancs et se nourrissent de leurs déchets. Eh bien, c'est pareil sur Terre avec les nobles. Pourquoi la reine doit-elle se plier à ces rituels? Oh non, non, dessin, dessin. Quand un nouveau monarque monte sur le trône, les divers rituels et cérémonies n'en finissent plus. J'avais moi-même enduré plus de la moitié des 88 jours de chants liturgiques nécessaires pour être couronné quand ma chère sœur est revenue. Vous étiez censé monter sur le trône avant que la reine revienne? Oh oui. Arrête, Thierry. Quand notre père, le roi Idélite, est mort, puis son règne baigné dans la gloire, elle a été désignée pour entamer les cérémonies. Mais elle est partie, comme ça, pouf, disparue avant même d'entrer dans le labyrinthe du Sapiarche. S'agit-il d'une autre obligation cérémonielle? Exact. Et c'est donc moi qui ai dû passer 3555 jours oh mon Dieu à étudier les traditions et le cérémonial Altmer comme l'exige la coutume. Mais je m'éloigne du sujet. Oh mon Dieu, au revoir. Alors attendez, excusez-moi. Chut. Allez, file. Voilà, alors... Oui, on doit aller retrouver la reine dans les ruines. Non, va te poser maintenant. Nous implorons nos glorieux ancêtres de nous transmettre leurs souvenirs et leur sagesse. Alors, il y a un fantôme juste en face. Qui est un ennemi? D'accord. Alors, retrouvons la reine parce que je l'ai entendu parler. Du moins, j'imagine que c'était elle. Oui. Ma reine, prenez garde. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Eh bien, les choses auraient pu mieux se passer. C'est peut-être à cause de ce stupide nous royal. Nous en appelons à nos ancêtres. C'est plutôt condescendant, n'est-ce pas? Bien, vous êtes la reine? Cette cérémonie est censée montrer à Auridia à quel point j'honore notre culture et notre héritage. Elle doit montrer que nos ancêtres me perçoivent comme une héritière digne de ce nom. Je suppose que nos ancêtres ont des idées bien à eux. Pourquoi l'esprit vous a-t-il menacé? Je l'ignore. Il a parlé de Norion, mon conseiller. Je crois que vous l'avez rencontré au guet de Vulkel. Mon ami, quelque chose a mal tourné. Je déteste vous solliciter à nouveau, mais je n'ai pas le choix. Dites-moi quoi faire. Il y a deux prêtresses dans les ruines. Deux femmes en qui j'ai confiance. Si Norion s'est retournée contre moi, je crains pour leur vie. Restez avec elles pendant qu'elles accomplissent leur part de la cérémonie. Veillez sur elles. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Ces cérémonies sont importantes pour mon peuple. Donc elles sont importantes pour moi. Enfin, je crois. Qu'allez-vous faire ici, ma reine? Poursuivre les rituels, bien sûr. Les prêtresses m'attendent. Aucun spectre récalcitrant ne m'empêchera de terminer ce que j'ai commencé ici. Pourquoi devez-vous accomplir ces rituels? Comme je l'ai dit, les cérémonies sont pour le peuple. La population a toujours pris part au couronnement du nouveau monarque Altmer. Mes sujets sont déjà assez inquiets suite à mon absence prolongée. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent me faire confiance. Pourquoi Norion se retournerait-il contre vous? Et qui est la Reine Voilée? Je n'ai aucune idée de l'identité de la Reine Voilée. Peut-être est-ce la chef du groupe qu'on appelle l'Héritage Voilé. Et si vous voulez mon avis, Norion vendrait sa propre mère s'il pensait pouvoir en tirer un bon prix. Ainsi donc, la perfidie de Norion ne vous surprend pas? Norion était un fervent partisan de mon père. Et après lui,
Il a soutenu la candidature de Némon au pouvoir. Il a exprimé très énergiquement sa déception quand je suis revenue prendre la couronne. Pour Norion, tout cela n'est qu'un jeu de pouvoir. Et je ne jouais pas selon ses règles. J'ai rencontré l'héritage de Sylselen après vous avoir quitté au gué de Vulkel. Vraiment. J'espérais qu'Astania était à la tête d'une petite faction dissidente, qu'elle avait donné un nom grandiose à un ramassis de vauriens. S'ils sont capables de s'attaquer à toute une ville et de m'atteindre jusqu'ici par l'intermédiaire de Norion, alors la menace est bien réelle. Pour là, je pense que c'est... Bien sûr, les prêtresses m'attendent. Aucun spectre récalcitrant ne m'empêchera de terminer ce que j'ai commencé ici. Pourquoi les morts se dressent-ils contre vous ? Ce doit être Norion. Ce maudit Ragnar est aussi un mage chevronné. Pour les contrôler aussi habilement, il doit être tout prêt. Je suis sûre qu'il finira par montrer sa face de rat. Très bien. Bon. Eh bien, apparemment, c'est tout droit. Vérifions. Aider la prêtresse, et là-bas, aider la prêtresse. D'accord, donc en fait, il y a deux sanctuaires, j'imagine. Sanctuaire occidental et sanctuaire du nord. Donc, bon, on va prendre celui qui est en face. Alors, attendez, exactement, la route, je peux prendre la voie qui est en bas, ça sera plus logique. Allez, est-ce que le poison va marcher sur un spectre ? Visiblement, oui. Oui. Je sais pas si j'ai vraiment paré. Ok. C'est moi ou elle était ralentie à un moment donné ? On ne sait pas. Il y a autre chose à faire juste en haut. J'ai bien envie d'aller voir quand même. Aïe. Et non, t'as raté. Et tu ne m'as rien laissé. Alors, allons voir ce que c'est... Ah bah c'est la... C'est pas la bonne prêtresse pourtant. Attention. Prêtresse Nangwe. Ne vous approchez pas trop de la pierre. On dirait que des énergies nécromantiques en émanent. Quelle est cette chose ? Je ne suis pas certaine, mais cela me semble dangereux. Ne trouvez-vous pas ? Ces pierres sont apparues cette nuit, à des endroits clés des ruines, et aujourd'hui, les esprits ont perdu la raison. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Je suis certaine que tout est lié. Tout cela n'a rien de très naturel. C'est inquiétant. Des forces maléfiques sont à l'œuvre ici. Je possède un puissant emblème Altmer, utilisé pour des bénédictions en ces lieux. Je pensais l'utiliser sur les pierres, mais je crains fort de ne pas en avoir le courage. Voudriez-vous bien vous en charger pour moi ? Très bien, pas de souci. Les pierres de corruption, eh ben on va faire ça en même temps. Hop là ! Super ! Par les dieux, ça a marché ! Vous avez détruit la pierre ! Que dois-je faire avec votre symbole sacré ? Gardez-le pour le moment. Vous pourriez en avoir besoin. Si l'on retrouve l'une de ces pierres, je vous rejoindrai. En attendant, je dois aviser la reine de vos progrès. Très bien. Du coup, oh là. T'as l'air de souffrir, toi. Ok, alors, poursuivre le chemin. Est-ce que je suis sur la bonne route? Oui. Et visiblement, j'en ai une tout près. Oh, il est tombé. Il n'y a vraiment pas moyen d'esquiver les projectiles, c'est dommage. Ça n'a pas marché. Mon petit coup n'a pas marché. Hop, voilà. Du coup, oui, il y avait une pierre pas loin, apparemment. Par là. Je vois un truc violet ici, mais je pense pas que ce soit ça. Oh. D'accord.
Ça, j'étais vite fait. J'étais vite fait. Oh là là, il y en a. Là, il y en a. Il y en a deux, en fait. Allez. Meurs, s'il te plaît. Ouh là là, ouh là là. Oh, oh non, 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 non. Je vois juste que l'autre, il meurt aussi. Comment ça, je suis morte? J'étais quand même loin de... Ah, oh, s'il faut une pierre d'âme pour ressusciter. Ah, oh, aïe. D'accord. J'ai pas compris comment je suis morte. Je vous l'avoue, j'ai pas vu. Bon, bah, c'est pas grave, parce qu'on a ressuscité juste à côté... juste à côté de la... du sanctuaire. Alors, je sais pas si on peut passer par là. On va essayer, tout du moins. Un truc qui fait un drôle de bruit. Paysan contaminé. Allez. D'accord. Donc ici, nous avons des paysans contaminés. Par quoi, on ne sait pas. Oh mon dieu. Oups. Je sais pas combien de temps dure le poison. Eh bien, tire. Oh là là. Oh, y a des moments où tu te demandes comment elle fait pour tirer, quoi. Alors, est-ce que je me suis pas éloignée? Si. Mais en fait, on pouvait pas passer ailleurs. Est-ce qu'ici, on peut se faufiler, escalader? On dirait des zombies, quoi. Diablotin. D'accord. En plus, tu craches du feu, évidemment. Pas étonnant. Et tu m'as rien lâché. Bon. C'est merveilleux. Merveilleux. Papillon, viens ici. Voilà. Alors, où sommes-nous maintenant? Tandis que j'achève mes prières aux ancêtres. Je te protège. Ok. Vous avez sauvé la reine. Que les étoiles vous protègent, voyageurs. Oh là! C'est des ennemis, ça? Non, tu ne me toucheras pas avec ton truc, là. Ok. Ça c'est fait. Et chut! Eh! Oh non, je peux pas faire de pause maintenant en plus. Les filles, calmez-vous, je vous en supplie. Oh non, ça par contre c'est pas cool parce que c'est deux guerriers. Et ils vont me faire très mal. Ah mais zut à la fin! Là! Oh yes, j'en ai eu un. Ah, s'il te plaît, ah. Chut. Mais où est-ce qu'il était? Oh, j'ai rien compris, là. Je n'ai strictement rien compris. Hé, maintenant, chut, pas te coucher. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que... j'avais des potions que j'ai utilisées. Apparemment, il me l'a bien utilisé, en plus. Je regarde vite fait. Oui, il n'y a rien de mieux, en plus. Mur légère. Ouais, j'avais de la vie et je n'ai plus vu mon adversaire. Alors ça, ça m'intrigue. Bah écoutez, on y revient. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? De l'autre côté, c'est par là. Est-ce que je peux peut-être passer par là? On va recommencer. Hop. Alors j'avais toujours la régène. Bon, tu meurs toi?
merde, je suis trop loin. Attends, l'autre, il m'attaque pas là, hein? Non. Ah, c'est pas vrai, je peux jamais l'esquiver, ce truc. Voilà. Et là, normalement, on arrive de suite ici. Très bien. Bon, je vais rester juste super loin, en fait. Bon, je suis détectée, ça sert à rien ce que je fais. Ok. Alors là, ils arrivent de l'autre côté, donc on va bouger. Me semble-t-il. Je sais plus. Ou là, peut-être. Ouais, là. Et de l'autre, pareil, deux. Allez! Oh, celui-là, je m'en sors pas du tout. Que les anciens vous guident à travers les jours. J'ai pu apparaître les autres. Là. Allez, vas-y, allez, bouge. Mais je comprends pas comment il me tue, je suis full vie là. Je capte pas, sérieux. Je comprends pas. Faudrait que j'aille réparer en plus, c'est vraiment chiant là. Dis-moi que je l'ai tué, voilà, je le visais pas du tout, mais c'est pas grave. Oh merde. Non mais j'aimerais bien savoir comment il m'a eu quoi. Voilà. Voler pas, à présent évoluer. Oui non mais voler c'est pas... C'est l'autre. Non. Ouais, pas intéressant pour le moment. Oui, protéger la prêtresse, bah ouais j'aimerais bien. Bon, ça m'énerve parce que le temps que je lance mon truc, je peux pas mander mon arc. Ça sert à rien de bouger de toute façon. Que les ancêtres vous bénissent. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, je suis concentrée pour essayer. En fait, je vise, mais ça sert strictement à rien, étant donné que y a une visée automatique au final. Oh là là. Je capte pas pourquoi les deux autres, là, il y en a un, il me one-shot, quoi. Allez, mais réagis, quoi. Mais tire! Pourquoi elle tire pas? Sérieux! Non. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, mais l'autre est pas mort? Oh, merde. Bon, cette fois-ci, je les ai eus. On rien lâché. Ah, si. Oh, non, c'est pas vrai. Le rituel est accompli. Ah, très bien. Je peux partir, donc je peux me débarrasser de certaines choses. Détruire, oui.
Hop. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Voilà, c'est ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Urne scellée. C'est vrai que j'ai toujours pas ouvert ça. À chaque fois que je le cherche, je le vois pas. Ouais. On va faire plutôt ça. On va utiliser des objets qui vont augmenter récupération de santé. Je sais pas si ça se cumule, tout ça. Les recettes, on va les apprendre. Récupération de vigueur, vigueur. Teinture de santé. Bref, pourquoi pas. Allez, on va utiliser ça. Merde, oui, si. Et la suivante, elle est par là-bas, je crois. Non, putain, j'ai pris une potion alors que je voulais appuyer sur 1, quoi. Ça, c'est pas chouette d'avoir mis les potions sur A. Alors, attendez, je vérifie... Ok, y a, en plus, il y a les trucs sur le chemin. Donc, écoutez, je vais arrêter mon épisode ici. On est à 26 minutes. Je ferai pas de coupure sur les échecs, etc. Comme quoi, vous pourrez juger... Putain, par vous-même de ma nullité. Vous voyez, je suis même tombée du muret. C'est merveilleux. Et vous retrouvez au prochain épisode pour la deuxième partie de cette quête et la suivante. Ah si, ça touche. Oh, yes. Oh, tu me touches de là, toi? Par où tu vas passer? Par là. Nickel, j'ai le temps de te tuer à l'aise. Allez les amis, sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao! Thank you.